habitez le quartier, c'est ça? Oui. Racontez-moi un petit peu là, comment vous vous êtes senti quand vous avez appris cette histoire. Effondré. Effondré total. Parce que voilà, on est tous le quartier, tous une famille. Voilà, même si on ne se connaît pas tous. Voilà. Voir que ça arrive à côté de chez soi, j'imagine que ça devait être très compliqué. Compliqué, terrifiant. Terrifiant parce que voilà, on sait que ça peut. On sait pas que ça peut arriver comme ça du jour au lendemain. Quoi. Et pourquoi vous avez voulu venir amener des fleurs? Bah, au moins une pensée pour les enfants en fait. Ils n'ont pas mérité ça en fait. Voilà. Ils ont dû vivre un calvaire en fait. Et vous me disiez dans votre histoire personnelle, c'est quelque chose que vous connaissez, ouais. Malheureusement. Moi oui, malheureusement, je le connais. Donc je sais c'est quoi, je sais la souffrance. On en souffre encore au jour d'aujourd'hui, donc ouais. On va souffrir pour à vie en fait. Toute notre vie. Vous me disiez c'est votre maman, c'est ouais. Ça. Oui. Qui est malheureusement décédée. Oui, exactement. Est-ce qu'on pourrait avoir un prénom d'emprunt si vous voulez, mais juste un prénom? Un prénom, emprunt. Ou votre prénom si vous voulez. Moi c'est Annabelle. Annabelle, on va parler. Merci à vous. Merci.